dans la maison. Il y avait une souris dans la maison. Grand-mère la vit d'abord. « Une souris !» cria-t-elle en sautant sur le canapé. Les coussins tombèrent au sol. « Où est-elle ? » demanda papa en grimpant sur la fenêtre. Il arracha le rideau. « Là !» cria maman en sautant sur la table. Les assiettes tombèrent avec fracas. « Attrape-la !» dit Mitoune au chat. Le chat regarda la souris et fouit sous le lit. « La souris !» cria Mitoune en courant derrière le chat. « Je vais la chasser dehors !» déclara maman courageusement. Elle sortit le balai et tapa ici et là. « La souris !» cria papa. « Derrière toi !» Maman regarda la souris et fouit sous le lit. « Je sais quoi faire !» cria grand-mère en sautant du canapé. Elle roula un journal et tapa ici et là. « La souris !» hurla papa en grimpant encore plus haut sur la fenêtre. « À ta gauche !» Grand-mère regarda la souris et fouit sous le lit. « Oh non !» dit papa doucement. Il ne pouvait pas aller plus haut. Il descendit avec soin et fouit sous le lit avant que la souris ne puisse le voir. « La souris est dans la maison !» crièrent-ils tous ensemble. Cela réveilla le bébé. Il se redressa sur son lit, tout endormi, en se frottant les yeux. Qu'est-ce qu'il y avait sur son oreiller ? Elle avait deux yeux, quatre pattes et une longue queue. « Souris !» dit bébé en applaudissant joyeusement. Bébé regarda la souris et la souris fouit avec le bébé juste derrière elle. Elle sauta sur le canapé, grimpa sur la fenêtre, sauta sur la table, fit tomber les coussins, courut entre les rideaux, se rua entre les assiettes et sortit par la porte.